Mon nom est Dr. Paul Saba et je suis médecin de famille à la Chine, Québec, Canada. Je vous supplie, en tant que roi de la Belgique, de ne pas signer la loi étendant l'euthanasie pour les enfants belges. Et cela inclut notre pays, le Canada, et la province du Québec, où nous vivons, où il est en train d'adopter une loi sur l'euthanasie semblable à la loi belge. Avant, c'était pour les adultes, mais avec la nouvelle loi, c'est prévu pour les enfants. Ce qui arrive aux enfants de votre pays aura une conséquence grave sur les enfants du monde. Je veux partager avec vous l'histoire de notre fille Jessica. Jessica est seulement l'une des millions des enfants nés dans le monde avec des malformations congénitales, amenant beaucoup de ces enfants à être candidats pour l'euthanasie. Si Jessica était née dans un pays où l'euthanasie était acceptée, elle aurait pu être une candidate pour l'euthanasie. Et son histoire serait très différente de celle que nous vous racontons aujourd'hui. Voici l'histoire de Jessica. Baby girl. Let's see, baby girl. Oh, mamie. Oh. Quand j'ai vu Jessica après sa naissance, j'ai dit, bats-toi, ma fille. Et elle se bat depuis. Hi, Angel. Hi, sweet Angel. Avant sa naissance, l'échocardiogramme a démontré qu'elle avait un problème cardiaque très sévère. Immédiatement après sa naissance, elle était transférée dans un centre de soins intensifs pour les enfants. Et à 6 jours, sa valve était débloquée. Graduellement, son cœur s'est développé. Ça n'a pas été facile, mais je suis reconnaissante qu'elle soit vivante et se porte très bien. Jessica, maintenant, à 4 ans, elle a un frère, John Anthony, et une sœur, Eliana. Jessica, ma sœur, est pleine d'énergie et elle est une très bonne sœur. Jessica est formidable parce qu'elle est amusante. Jessica est formidable. Parce qu'elle aime s'amuser avec mes jouets. Jessica est formidable parce qu'elle est ma sœur. On doit équiper les gens. On doit équiper les gens médicalement. On doit entourer les parents. On doit donner de l'information. On doit être là pour les gens, pour les soutenir pour la vie. Et pas pour les soutenir, pour les encourager vers l'euthanasie. Parce que ça, c'est la fin de la vie. Mais même avec un enfant qui est malade, on a toujours beaucoup d'amour, beaucoup de joie que cet enfant peut nous apporter. S'il vous plaît, Votre Majesté, ne signez pas la loi de l'euthanasie des enfants. S'il vous plaît, ne signez pas cette loi sur l'euthanasie.